Foi com o estudo da caligrafia chinesa que tudo começou. Daí nasceu a poesia, pela qual foi premiada a nível nacional ainda antes dos 10 anos. Daí nasceu a pintura. La calligraphie est très présente dans ma peinture. Il y a des œuvres qui sont de la calligraphie pure, mais j'ai ajouté une touche nouvelle, disons personnelle. On peut dire que l'inspiration et la structure de mes peintures vient de l'Orient. Et il y a la couleur qui vient bien sûr de l'Occident, parce que l'œuvre chinoise traditionnelle, elle est discrète, elle est tenue. C'est souvent noir et blanc ou gris et blanc. Elle est pour beaucoup d'Occidentaux assez fade, parce que c'est une écriture, c'est un murmure, c'est expression discrète de lettré, de son rêve, de son intimité. Moi, je pense que mes œuvres est vraiment une fusion, mais personnalisée, parce que ce n'est pas parce que je dis qu'il y a cet élément occidental et cet élément oriental, donc je les mixte. Et je pense que c'est aussi mon portrait, qui je suis, parce que je ne suis pas une chinoise, je ne suis pas une française, je suis une créature en fait de deux mondes. Quand nasceu em Pequim, Shan Sa era Yan Ni. O pseudónimo escolheu-o mais tarde, a partir de um poema da época da dinastia Tang, sobretudo porque Shan significa montanha. J'aime beaucoup la montagne, qui est mon élément fétiche, parce que depuis la Chine ancienne, la montagne est symbole de l'ascension, de l'élévation de l'âme et aussi d'une vie de labeur, mais qui va vers le meilleur de soi-même. Et ça veut dire le bruissement du vent. Et le vent, c'est la liberté. Le vent, c'est l'errance, c'est l'exploration du monde. Je pense que mon rêve aujourd'hui, que ce soit à travers le roman ou à travers la peinture, c'est explorer le monde, découvrir toutes les cultures. Com 18 anos de vida passados na China e 20 em Paris, Shan Sa sente-se muitas vezes como uma ponte de ligação entre Ocidente e Oriente. Les gens ont compris que je connais les deux secrets, parce que chaque culture a ses secrets, a son histoire, et qui détermine en fait la personnalité de chaque peuple. Et aujourd'hui, et notamment dans les échanges culturels, diplomatiques, voire économiques, on a besoin de connaître l'autre avant de se mettre à discuter, voire négocier. Et souvent, je suis sollicitée par mes amis à être leur conseillère. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans l'autre culture? Il y a des Chinois qui me demandent, mais que pensent les Français, par exemple, avec qui ils travaillent? Ou qu'est-ce que c'est l'art occidental? Et je suis aussi sollicitée beaucoup par les amis, disons, européens, pour dire, est-ce que ce travail qu'ils font plaît aux Chinois? Parce qu'en fait, on peut tout à fait se faire une idée de la Chine, et qui ne plaisent pas du tout aux Chinois, parce que chaque peuple, que ce soit européen ou chinois, ont leur propre superstition, tradition, et les couleurs sont totalement opposées. Un simple exemple, la couleur blanche, qui est une couleur de pureté, d'émerveillement, de beauté, pour le mariage en Europe, et c'est une couleur pour le deuil. En Chine. Em chinês escreveu poesia desde criança, mas o francês é a língua dos romances de Shan Sa. O livro que lhe deu sucesso também em 2001, o ano de ouro de Shan Sa, foi La Joueuse de Go, a jogadora de Go, um jogo tradicional chinês. Um romance histórico premiado em França, nos Estados Unidos e China e traduzido em mais de 30 línguas. Em 1930, um oficial japonês se déguise en chinois et va jouer une partie de Go avec une chinoise de 16 ans. Mais l'important de ce roman, c'est en fait raconter cette confrontation au moment d'une guerre horrible entre
le Japon et la Chine. Le point de vue opposé de deux personnages et leurs deux univers opposés. Mais en fait, on s'aperçoit que malgré cette éducation différente, malgré la haine ambiante, parce que la Chine est envahie et le Japon est envahisseur, et malgré toutes ces oppositions qui les séparent, ils trouvent une grande harmonie et ils s'aperçoivent qu'ils peuvent s'aimer et vivre ensemble. Et je pense que ce roman, publié en 2001, est aussi un roman qui accompagne en fait tous les conflits aujourd'hui internationaux. Et le fait est qu'il soit très très apprécié dans beaucoup de langues. O domínio da pintura, da caligrafia, da poesia e também da música. Os quatro elementos que na China antiga elevavam o artista ao estatuto de literati. Aos 38 anos, Shan Sa domina as quatro artes. A música começou como a poesia ainda antes dos 10 anos, com vários instrumentos tradicionais chineses. Há pouco tempo começou a dedicar-se a um sonho antigo, ser cantora de ópera ocidental e, segundo o professor de canto, até tem uma voz à altura. A concretização profissional a partir de 2001 de uma mulher que não é francesa nem chinesa, que escolheu ser uma montanha embalada pelo sussurrar do vento. Et maintenant, 10 ans plus tard, je dirais qu'il y a une nouvelle étape de ma vie. C'est une étape maintenant beaucoup plus picturale, plus colorée, et maintenant je suis mes expositions et j'explore le monde à travers les expositions, c'est dans les vernissages et dans les clôtures que je rencontre des nouveaux amis, des gens qui parlent de différentes langues, venant de différentes cultures. A busca pessoal de Shan Sa, uma artista que pode conhecer numa exposição retrospectiva no Museu do Centro Cultural de Macau até ao próximo dia 20 de junho.